Tout savoir sur la mosquée Al-Masjid Al-Haram. La grande mosquée Al-Masjid Al-Haram constitue le lieu le plus sacré de l'islam et se situe au cœur de la Mecque, en Arabie Saoudite. La grande mosquée représente un passage important du pèlerinage du Hajj que chaque musulman doit effectuer à une période donnée de l'année au moins une fois dans sa vie, s'il dispose de la capacité physique et financière pour le faire. Les croyants peuvent également visiter la grande mosquée à tout moment de l'année pour y effectuer la Omra. La grande mosquée recèle de nombreux sites importants dont la Kaaba, la pierre noire, le puits de Zamzam, ainsi que les collines de Safa et Marwa. La grande mosquée est dotée de 13 minarets, ce qui en fait la mosquée ayant le plus grand nombre de minarets au monde. En effet, la grande mosquée a fait l'objet de nombreux travaux de rénovation destinés à accroître sa capacité d'accueil pour les pèlerins et les visiteurs. Nombre de ces travaux ont été réalisés avant la création du Royaume d'Arabie Saoudite, et trois grands projets d'expansion ont été entrepris après sa création. Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté, la grande mosquée a fermé ses portes la nuit, pour la première fois dans son histoire, et la durée de visite pour les fidèles a été réduite. Toutefois, la Omra a repris de manière progressive en trois phases à compter du 4 octobre 2020. La première phase était réservée aux Saoudiens et aux expatriés vivant dans le royaume et se limitait à 30% de la capacité de la mosquée. Ainsi, 6000 fidèles ont pu accomplir la Omra et les prières dans le respect du port de masque et de la distanciation sociale. La deuxième phase concernait elle aussi les habitants du royaume, et la capacité de la mosquée était limitée à 75%, ce qui a permis à 15 000 pèlerins et 40 000 fidèles de se rendre dans la grande mosquée chaque jour. La dernière phase a permis aux pèlerins et aux fidèles venus de pays autres que l'Arabie Saoudite d'accomplir la Omra dans la grande mosquée. Cette fois-ci, la capacité de la mosquée a été portée à 100%, 20 000 pèlerins, 60 000 fidèles et 19 500 visiteurs étaient autorisés à entrer chaque jour dans la mosquée où des mesures de prévention ont été mises en place. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater.